c'est? C'est de la pâte à rêve. On ouvre? Oui. T'as vu ça où? Au Père Noël. C'est le Père Noël qui m'a donné. On a du blanc, du jaune, un peu de toutes les couleurs plus connues parce que... Toutes les couleurs là, aussi. Oui, voilà. Il y a du rose jaune, enfin du rose fluo. Tout ça. Il y a du vert clair et du noir. Il y a un petit modèle. On a les couleurs qu'on peut mettre. On peut obtenir de nouvelles couleurs en mélangeant les pâtes à modeler en crème. Par exemple, violet plus orange, ça fait du mauve, comme ça. Elle ne colle pas sur les habits. Regardez. Elle ne colle pas sur les mains et surtout, le plus bien, elle ne colle pas sur la table. Et elle est agréable ou pas alors? Moi, alors ça... Oh, elle est bizarre, c'est pas de la pâte à modeler normale. Hein. Surtout, regardez, elle rebondit aussi. Elle rebondit et elle est surtout élastique. Et aussi... On dirait du slime. Non mais c'est élastique en fait. Oui, voilà. Ouais, voilà. C'est élastique, on dirait... Je sais pas, du plastique mou. Ouais. C'est voilà. Bizarre. Regardez quand elle est sortie, quand vous ne faites rien, elle est très 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 légère. Ah, c'est vrai qu'elle est légère, c'est drôle. Touche celle-là, elle est encore pire. On dirait de la gomme. Par contre, a priori, ça sèche très vite, donc rangez-les si vous ne les utilisez pas, parce que le but, c'est de fabriquer des petits objets qui vont sécher. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. À bientôt !